peux pas relever les yeux. Captivé, je regarde ses mains. De petites mains infantiles qui tiennent mes doigts de maman trop heureuse. Des mains qui à l'instant dépendent de moi. Je les caresse si fragiles, si mignonnes. Mais si je crois ce que l'on me raconte, ces mains appartiendront un jour au roi des rois. Un beau jour de printemps, soudain il vient vers moi. En me tendant ses mains, blessées et couvertes de sang. Je les lave et les soigne comme n'importe quelle maman. Ses mains dans mes mains me procurent une telle joie. Mais le temps passe trop vite et il grandit. Il retourne sans hésiter à l'atelier avec son père ensemble pour le bois travailler. Et moi je savoure son enfance toute seule attendrie. Avec lui, c'est une autre époque. Invités tous les deux pour un mariage d'amis, nous sommes assis à table, on mange et on rit. Par ses mains, l'eau se transforme en vin, il s'en moque. À table de nouveau à Pâques pour un dernier repas, ses mains cassent le pain et passent la coupe. Tout à l'heure, elles vont le protéger des coups et se retrouveront encore blessées et couvertes de sang. Je dois relever les yeux pour les voir, ses mains clouées violemment au bois, ses toutes petites mains d'autrefois truées et tachées aujourd'hui à la croix. Mais ce n'est plus moi qui s'occupe de ses mains, et quand je les ai vues pour la dernière fois, les traces des clous m'ont bien fait croire que c'est mon père au ciel qui les tient.